Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, Dieu qui nous a permis encore en ce matin de nous réunir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours dans cette joie de Pâques, bien-aimé de Dieu, nous bénissons le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons le gardien de nos âmes. Nous bénissons le bon et merveilleux Dieu qui nous a tellement aimés. La parole que l'Église nous propose en ce jour déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Bien-aimé, en ce matin, je te souhaite la vie, parce que la vie vient de Dieu et il a plu à ce grand Dieu de te donner la vie en ce matin. Et au-delà de ça, la vie éternelle également t'est donnée, parce que la Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Alors cette vie, tu l'as en abondance parce qu'à Golgotha, Jésus-Christ est mort pour toi. À Golgotha, il a opéré le sacrifice le plus grand, l'ultime, qui nous a valu le salut. Alors cette vie que tu as, que personne ne te la retire, que cette vie soit pleinement en toi, que cette vie soit pleinement dans ta famille, que cette vie soit pleinement dans tous les aspects de ta vie. Ne perds pas cette vie que tu as en abondance, que Jésus ton Seigneur t'a donnée. Oui Père, tu as tellement aimé le monde, tu as tellement aimé le monde et tu as tellement aimé l'homme que tu ne pouvais pas voir cet homme souffrir. Parce qu'en réalité, personne ne pouvait faire ce sacrifice sinon ton Fils Jésus. Voilà pourquoi tu l'as envoyé, par amour pour nous les hommes. Alors bien-aimé de Dieu, là où tu es, exulte de joie et rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu a donné son Fils, je le répète, son unique, pour ton salut. Là où tu es, sois en communion avec nous et élève ce cantique. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Laissant sa royauté, venant parmi les hommes, laissant sa royauté, venant parmi les hommes, laissant sa royauté, il est venu habiter parmi nous. Jésus a laissé sa royauté, il est descendu sur cette terre des hommes. J'ai vu un homme, un homme, j'ai vu un homme sur qui on a craché, humilié, on a frappé, traîné, et puis il m'a dit, il m'a dit, et puis il m'a dit que je t'aime, je t'ai sauvé, sauvé, je t'ai sauvé, sauvé, nous le déclarons, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de Jésus, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, mon frère, ma soeur, tu es sauvé par le sang de l'agneau, ta famille est sauvée par le sang de l'agneau, ton enfant est sauvé par le sang de l'agneau.
ton mari est sauvé par le sang de l'agneau. Tes entreprises sont sauvées par le sang de l'agneau. Ta vie est sauvée par le sang de l'agneau. Ta famille est sauvée par le sang de l'agneau. Mon frère, tu es sauvé par le sang de l'agneau. Ma sœur, tu es sauvée par le sang de l'agneau. Tes amis sont sauvés par le sang de l'agneau. Oui, tes collègues sont sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de résistance par le sang de l'agneau. Les tombeaux sont ouverts par le sang de l'agneau. Le rideau du temple est déchiré par le sang de l'agneau. La terre a tremblé par le sang de l'agneau. De nombreux saints se sont relevés par le sang de l'agneau. Le Sénégal est sauvé par le sang de l'agneau. Le Sénégal est sous la couverture du sang de l'agneau. Nos familles sont sous la couverture du sang de l'agneau. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ce mariage que tu entreprends est sauvé par le sang de l'agneau. Nous le déclarons, nous le croyons par le sang de l'agneau. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ait la vie en abondance. Bien-aimé, la condition est simple. Il te suffit juste de croire pour bénéficier de la mort et de la résurrection de Jésus. Il s'est donné gratuitement sur le bois de la croix. Il le déclare, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et cette vie, il nous l'a donnée. Sans réserve, il s'est donné. Il s'est vidé de son sang sur le bois de la croix. Pour toi et pour moi. Alors que personne ne te mente. Parce que le diable déclare la parole est l'imposteur. Il est le père du mensonge. Il peut te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Alors ne laisse personne, bien-aimé de Dieu, te faire croire le contraire. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a donné son Fils, son unique, pour ton salut. Demeure dans cette foi. Demeure dans cette assurance que Dieu est amour et que Dieu t'aime. Dors avec cette parole. Mange avec cette parole. Marche avec cette parole. Quoi qu'il en soit, Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu, mon frère, ma soeur. Il t'aime. Il t'aime. Et il t'aimera toujours. Toujours, bien-aimé de Dieu. Toujours. Crois-le et sois-en convaincu. Crois que ta vie est rachetée par le sang de Jésus. Tes biens spirituels comme matériels sont dans le sang de Jésus. Ta famille est dans le sang de Jésus. Ton travail est dans le sang de Jésus. Ton mariage est dans le sang de Jésus. Ton mari, ta femme est dans le sang de Jésus. Tes enfants sont dans le sang précieux de Jésus. Enfin, le Sénégal, notre chère nation, est dans le sang de Jésus. Sois loué, Père très saint, pour le don de ton Fils Jésus. Bien-aimé, demeure dans cette vie que Dieu t'a donnée. Et continue à le louer, à le magnifier, à l'exalter en tout temps et en tout lieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.